Ambiancé par mes petites musiques introductives là. Je mets beaucoup de soin, vraiment il y a beaucoup de temps à les choisir. J'espère que vous les appréciez autant que moi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, toutes et tous, pour un haul maison. Vous avez vu le titre de cette vidéo, là au moment où je la filme, je sais pas du tout comment je vais l'appeler, mais l'idée c'est de vous partager mes dernières trouvailles, certaines que je viens de recevoir, certaines que je rachète, pas nécessairement pour moi, pour autrui, mais que je voulais vraiment vous partager. Donc je fais suite à ma première, toute première vidéo haul déco qui vous avait beaucoup plu. Donc j'avais fait, pour celles et ceux d'entre vous qui le savent, j'avais fait, je sais pas si c'est passé ça, Brina et la technologie, j'avais supprimé cette vidéo sans faire exprès. Elle avait un super bon nombre de vues et je l'ai supprimée, donc je l'ai remise. À l'occasion de cette vidéo, j'ai pu noter que vous suscitiez l'intérêt absolument appuyé pour le sujet. Donc j'ai l'intention de vous retrouver de temps en temps avec les petites astuces de Bibi. Donc là j'ai un petit peu de tout, j'ai des choses pour la déco, j'ai des choses pour la cuisine, j'ai des choses pour la vie de tous les jours, j'ai des choses pour la beauté, j'ai des choses pour la maison, j'ai de tout. J'ai mon café glacé. Donc trêve de suspense, j'attaque tout de suite illico massia. Je commence tout de suite avec un petit quelque chose à propos duquel vous êtes très 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 nombreuses et nombreux à m'interroger consécutivement à mes posts sur Instagram. Vous voyez le petit plateau de marbre sur lequel je dispose mes produits, et alors vous êtes très nombreuses et nombreux à vouloir savoir d'où il vient. Le voici, voici la bête. Donc c'est lourd, c'est très lourd, c'est du vrai marbre, 100% marbre, blanc, et c'est fait à la main. Je l'ai attrapé tout simplement sur Amazon. Donc je sais plus quel Amazon, je crois que c'est l'Amazon anglais, je suis pas sûre à 100%. Mais je vous mettrai évidemment les liens de tout ce que je vous présente dans cette vidéo, sous cette vidéo, dans la barre d'infos et sur le blog, n'est-ce pas? Mais alors les filles, génial. Et il est très joli, donc chez moi je dispose des tas de choses dessus, c'est voilà. Mais je m'en sers beaucoup, j'aime bien m'en servir pour les photos Instagram. J'ai décidé, j'ai le projet de m'améliorer sur la présentation des photos parce que je me rends compte que je suis behind. Il y en a qui font des produits pour un rouge à lèvres, on dirait que c'est la... Il n'y a plus de limite entre les pros et les non-pros, donc la route est longue, pour Bibi. Mais j'essaye, sachez que vraiment j'essaye, quelquefois pour sortir une photo j'en prends à peu près 40 ou 50, vraiment, et je suis là et tout. Donc voilà, je le trouve très très beau, je voulais vraiment vraiment vous le partager, je le pose délicatement. Et alors toujours dans le marbre blanc, toujours dans les plateaux de service, la beauté totale. Vous me savez, une fidèle cliente de Bouchara. Si vous avez vu donc ma précédente vidéo déco, haul déco, etc. Je suis tombée parce qu'ils font très souvent des moins 50% dès que ceci, dès que voilà. Moi je vous l'ai dit, j'ai la carte, je suis abonnée à la newsletter, là je reçois des mails, je reçois des SMS, je reçois tout, j'achète les rideaux pour ma belle-mère, je fais tout là-bas. Et bien je suis tombée. Donc j'ai vu à l'occasion de l'offre des 50%, j'ai dit je vais aller faire un tour. J'aime beaucoup par exemple leur linge de lit. Mes parures de couette à la maison en satin de coton viennent de chez eux, tu vois. Donc pour revenir à la mouton, je zone et tout ça, je regarde les choses et je tombe sur lui. Là encore, il est super lourd. Donc là encore, c'est un plateau en marbre blanc. Je vais vous enlever les protections des poignets. Du dingue. Sans le plastique, c'est mieux. Donc voici à quoi elle ressemble. J'en ai laissé une. Il est sublime. Donc à la différence de l'autre plateau en marbre qui est un marbre poreux, celui-ci est un marbre, je sais pas si on peut dire vitrifié, il brille, voilà. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer, je suis pas sûre, c'est blanc. Mais il est crânant, donc ça m'a coûté, il y a encore le prix sur celui-ci, 19,99€. Il n'était pas soldé mais j'ai dit c'est pas grave. Franchement, il est tellement beau, il est crânant. Donc voilà, je peux. C'est parfait pour disposer un plateau de fromage ou un plateau de... N'importe. Mais moi, je pense que je vais m'en servir en termes de beauté. Pour des photos, pour, je sais pas. Mais il est super beau, je pouvais pas le laisser là-bas. Il y en avait deux, j'ai dit, ah là là. Et l'autre, il était très légèrement abîmé. Donc j'ai dit, bon, c'est un signe. Ça vous le fait aussi ou pas? Bref. Je l'ai pris, je l'ai trouvé crânant. Donc, toujours dans le marbre. Toujours dans le marbre blanc, donc... Par rapport au marbre blanc, en ce moment, c'est très très tendance. C'est très très tendance. Je prends quand même, j'adore ça. Parce que c'est clean, c'est beau, c'est propre. Je vous avais montré mon horloge en marbre blanc que j'avais trouvé là encore chez Bouchara. Si vous vous rappelez, je vous l'avais présenté dans le tout premier haul déco. Et donc j'adore le marbre blanc. Il est très facile de basculer dans le too much.
Et là, on bascule dans l'univers mortuaire, donc il faut faire très attention. Moi, j'aime beaucoup des petits... C'est très grand chez moi, j'ai de la chance. Je mets des petites touches ça et là, voilà. Je n'ai pas, par exemple, franchi le cap d'avoir des meubles en marbre blanc. J'ai vu, hein, des tables basses sublimes, je vois. Moi, j'essaye de faire juste des petites touches ça et là, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle j'ai craqué complètement sur ceci. Que j'ai attrapé là encore sur Amazon. Là, je suis quasiment persuadée que c'est Amazon US. Amazon.com, donc des États-Unis. Ce sont des dessous de verre. Donc, je les sors de l'emballage. Et c'est super marrant parce que ce sont des dessous de verre qui sont fabriqués en Égypte. Que j'ai acheté sur Amazon US pour les faire livrer en France. Donc c'est, je vous dis, vive Amazon, vive Amazon. Les voici. Parce que vous dites, Sabrina, c'est bien beau, l'international hier, mais ils sont où? Les voici, tout simplement. Donc là, marbre blanc, et là encore, c'est vraiment du marbre blanc. Donc ils sont lourds, c'est pas excessivement lourd, mais ils sont, voilà, c'est pas du tout fake, c'est vraiment du marbre. Et donc là, encore une fois, vitrifié, je sais pas comment on le dit, brillant. Et il y a c'est du velours marron en dessous. Et voilà, pour faire des dessous de verre sublime. Donc dans le lot, il y en a 6. Je sais plus exactement combien j'ai acheté ça, mais je dirais une vingtaine d'euros à peu près. C'était un super bon prix. Donc les voici, ils sont crânants. La seule difficulté entre guillemets lorsque vous commandez sur Amazon US, ce sont les délais de livraison. Mais ceci ne vaut pas systématiquement. Quelquefois je reçois Amazon France, je reçois le lendemain parce que je suis Prime. Je suis VIP. Mais ça dépend, quelquefois ça peut prendre une semaine, quelquefois ça peut prendre 15 jours, 3 semaines. Donc ça, vraiment ça dépend. Je sais pas si ça dépend de la disponibilité du produit chez eux, j'en sais rien. Mais en tous les cas, voilà, c'est le seul hic. C'est quelquefois la durée de livraison, mais franchement les filles, pour les pépites qu'ils ont, ils ont des choses de dingue. Et ils ont des meubles, ils en ont... Quelquefois j'ai des coups de cœur de dingue pour un produit, je le mets dans mon panier, je l'achète, il me dit « Ah non, this item peut pas être livré en France », je dis « Ah là là, tristesse ». Enfin bon, bref. Là, ça a fonctionné, donc voilà, je suis ravie de vous les présenter. Je continue toujours dans la déco, et alors un craquage total chez Maison du Monde. Donc de la même manière qu'au niveau vestimentaire, je passe ma vie chez Zara, de la même manière qu'au niveau beauté, je passe ma vie chez Sephora, au niveau déco, petits objets, petits ameublements, etc., ou même ameublement tout court, je passe ma vie chez Maison du Monde. Vive Maison du Monde, Maison du Monde, c'est la vie, franchement, et Maison du Monde fait un carton à l'étranger. Au UK, il me semble qu'aux États-Unis aussi, ils ont Maison du Monde. Enfin bon bref, ils sont réputés vraiment partout. J'ai craqué complètement sur cette boîte à bijoux. Je la trouve tellement belle. Donc chez moi il y a beaucoup de tech. Le parquet, etc. J'ai beaucoup de tech, certains meubles, etc. Donc j'ai trouvé cette boîte à bijoux sublime. Sublime, sublime, sublime. Là c'est du tech. Design, Maison du Monde Design. 24,99€. Elle était, je sais pas si c'était des soldes ou des promos, mais elle était moins chère que ça. Donc le couvercle doré d'inspiration indienne, j'espère que vous pouvez me le distinguer sans trop vous aveugler. Donc c'est des petites, c'est ciselé comme ça, c'est très 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 joliment fait. Et l'intérieur est compartimenté. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer. Une petite boîte à bijoux des familles. Donc tout ce qui est bijoux, chez moi j'ai un truc à tiroir, c'est extrêmement bien ordonné, Monk. Mais pour mes bijoux de tous les jours, ce que je mets, ou alors quand je rentre et que je les retire et que je veux les poser rapidement pour être sûr de ne pas les perdre, mais que je n'ai pas ni le temps ni l'envie d'aller vraiment chercher dans mes tiroirs les boucles avec les boucles, le que ceci, le que voilà, hop, je les jette dans ça et je suis bien. Et je sais où ils sont pas perdus. Et il est tellement, la boîte est tellement belle, c'est un super bel objet. Donc il est posé comme ça sur mes vanity dans la chambre, formidable. Donc voilà pour la petite boîte à bijoux de chez Maison du Monde. J'espère de tout cœur qu'elle sera encore disponible au moment où vous irez si vous étiez intéressé. Je pense que je vais essayer de vous trouver le lien et de vous l'attacher. Si jamais je trouve le lien. Je poursuis toujours avec les bijoux. Attendez voir, je vous l'attrape et je vous reviens tout de suite. Je poursuis donc toujours dans le rangement et toujours dans les bijoux avec une petite pépite que j'ai dégotée là encore sur le Amazon US. Il est encore dans son paquet initial. Et alors, ah là là les filles, ah là là, très jolie. Voici la bête. Donc c'est un étui à rangement tout simplement pour les bijoux. Donc ceci c'est du velours gris, mais c'est du velours texturé, je sais pas comment vous le dire, il est pas strictement lisse sous le doigt, je sais pas si vous parvenez à le distinguer. C'est presque comme s'il reprenait un motif de marbre, mais pas exactement, mais presque. C'est un très très bel objet. Donc ici c'est du vert, et ici vous avez donc les deux ouvertures, c'est très joli. Donc je l'ouvre, voici l'intérieur de la bête. Donc la bête a besoin d'un bon coup de nettoyage sur la vitre, n'est-ce pas? Mais voici l'idée. Donc ce sont des bagues de rangement, tout simplement pour y glisser vos bagues, vos boucles d'oreilles, quoi que ce soit que vous vouliez y ranger. Sublime,
sublime. Ils ont le même principe pour les montres, ils ont le même principe pour tous les bijoux, même pour les colliers, les boucles d'oreilles, les bracelets, etc. Moi j'ai ce qu'il faut à ce niveau-là, mais c'est surtout pour tout ce qui est mes petites boucles d'oreilles. Vous savez que j'aime beaucoup changer des petites boucles d'oreilles fantasy ou pas d'ailleurs, mais j'aime beaucoup changer et donc voilà, il me fallait un petit quelque chose et un petit quelque chose qui soit discret, qui soit fermé, qui soit discret et qui soit pas trop épais. Donc voilà, ça c'est parfait. Je suis ravie de vous le présenter. Et franchement, les filles, vous allez voir. Si je vais vous mettre le lien Amazon, donc Amazon US. Vous allez voir tout ce qu'ils font, ces gens-là. Donc, comment s'appelle cette marque? Waldler International. C'est garanti, etc., etc. Donc, voici pour mon autre rangement bijoux. Je le pose et je vous reviens tout de suite avec le reste du suspense. Je poursuis les filles avec le petit mobilier, les petites pépites que j'ai dénichées récemment. Donc, la première, c'est une lampe. Je l'ai là juste devant moi, suspense. Elle est crânant, je la trouve sublime, donc j'aime beaucoup, je l'ai dit, chez moi c'est beaucoup de tech, donc et un tech presque rouge. Donc j'aime bien les touches de couleur dorée, bronze, etc. Et je cherchais une lampe, celle que je cherche, je ne l'ai pas vraiment trouvée. En fait, je l'ai trouvée, mais à des prix, voilà. Donc j'ai trouvé une alternative super sympa, je voulais vous la présenter, c'est peut-être random, mais les filles, c'est très intéressant, la voici. Vous la voyez? J'adore, c'est un peu l'esprit sous-marin. Comment est-ce que ça s'appelle ça? Pour moi c'est vraiment un esprit sous-marin. Je sais pas le dire, je sais pas comment le dire autrement. Sous-marin ou les bateaux super luxueux. Je sais pas comment le dire, mais je la trouve sublime. Donc voici la tête qui est inclinable, etc. Et voici les pieds. Je sais pas si vous parvenez à les distinguer. Donc c'est en ça que je disais que ça rappelle le parquet, mon parquet. Et alors elle est sublime. Donc ici, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, elle est réglable, donc vous pouvez ajuster sa taille plus ou moins haute, elle est sublime. Donc je vais essayer de la brancher pour l'allumer. Donc voilà, je l'ai allumée, ça fait pas vraiment de différence, mais ça vous donne une idée. Je la trouve super belle, je la trouve vraiment vraiment belle. Donc voilà, un petit partage random, mais que j'avais vraiment envie de vous partager, parce que à la différence de toutes celles que j'ai trouvées, celle que je veux vraiment lui ressemble beaucoup. Elle est plus grosse, elle est plus, mais elle est surtout 3 ou 4 fois plus chère que celle-ci. Donc c'était un bon prix, je me suis dit je vais partager avec les sisters, mais alors le truc qui va vous intéresser, à mon avis, vous allez me dire ah là là Sabrina, et en plus là ce sont les soldes, elle est soldée, je dis elle, il s'agit d'une coiffeuse. Vous êtes très très nombreuses à me demander quelles sont mes coiffeuses. Donc la raison pour laquelle je ne vous les montre pas, parce que déjà j'en ai plusieurs, dans plusieurs pièces différentes, mais la raison pour laquelle je ne vous les montre pas, celle que vous voyez derrière moi, c'est même pas une coiffeuse, c'est le... Je sais plus comment ça s'appelle, Malm chez Ikea, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un bureau tout classique blanc avec un méga tiroir et du verre posé par-dessus. Mais j'en ai une autre là-bas qui a été réalisée par un artisan, c'est pas quelque chose que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc ceci explique également le fait que je ne vous montre pas mes coiffeuses. Mais les filles, il m'en fallait une autre, parce que quelquefois, ici c'est ma chambre. Je vous raconte un peu ma life. Ici c'est ma chambre et donc évidemment il y a le mari. Quelquefois j'ai besoin de me maquiller très très tôt. Et donc j'ai un spot quelque part, j'essaye de mettre une petite table. Là par exemple devant moi il y a une table avec laquelle je filme mes vidéos, je vous la montrerai bientôt. J'essaye de me faire une petite coiffeuse improvisée quelque part très tôt le matin pour ne pas le déranger. Donc je voulais vraiment une petite coiffeuse, pas d'appoint, une vraie belle coiffeuse, mais que je puisse déplacer facilement et qui soit pas énorme, parce que celles que j'ai dans ma chambre sont vraiment énormes. Et alors les filles, je suis tombée sur la pépite. Je vous la mets là sur l'écran. Elle vient de chez La Redoute. I repeat, La Redoute. Les filles, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ameublement et déco, La Redoute, ils ont clairement step up leur game. Moi, pendant des années, je ne regardais plus rien du tout chez eux. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Génial. Donc, elle s'appelle Topim. Elle est au top. Vous avez vu la photo, elle est crânante. Donc, là, je vous la montre. J'ai filmé à la maison. Je vous la montre dans un endroit que vous connaissez, c'est là que je filme généralement mes tenues lorsque je vous les montre en pied sur moi, n'est-ce pas? Elle est sublime, elle est toute simple, raffinée, élégante, mais simple, donc elle est blanche, matière tout à fait facilement lessivable, là je peux passer un coup d'éponge si j'ai mis du fond de teint ou quelque chose. Le miroir qui est sublime, vous le voyez, le grand tiroir et surtout les pieds. Donc les pieds qui sont dorés, mais c'est pas un doré jaune, c'est un doré presque argenté sublime. Elle est sublime. Et le tiroir, je vous l'ouvre, là, vous le voyez. La capacité de rangement est dingue. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de laisser des choses posées dessus. La coiffeuse est sublime. Donc, moi, je l'ai achetée au plein tarif. Mais là, au moment où j'attache les liens pour cette vidéo, je me rends compte qu'elle est soldée à 30%. Donc, les filles, je vous mets tous les liens. Et franchement, foncez.
Elle est crânant. La coiffeuse, elle est vraiment sublime. Sublime. Elle est tellement belle. Donc moi, il se trouve que moi, je m'en sers comme coiffeuse d'appoint parce que voilà, je peux la déplacer, etc. Mais elle pourrait parfaitement faire l'affaire en tant que ma coiffeuse principale. Elle est sublime. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes très 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 nombreuses à me demander, Sabrina, comment est-ce que tu fais, etc. Moi, les filles, franchement, j'avais une problématique d'angle. Celle qui est là-bas est dans un angle. Donc j'ai dit, ok, les coiffeuses d'angle, écoutez, d'abord, les coiffeuses de manière générale, ça coûte tellement cher. Mais tellement cher parce qu'ils savent qu'on veut vraiment des trucs super, etc. Et donc ils savent qu'ils peuvent, c'est comme pour les lits, pour les bébés, ils savent que in fine, on va les acheter vraiment. Donc là, franchement, je me suis dit, ok, pour le prix, autant la faire faire, voilà, sur mesure. Et ça m'a pas du tout coûté beaucoup plus cher que ce qui était disponible sur le marché et qui n'était pas sur mesure. Donc voilà, bon bref, ça c'est pour mes coiffeuses à moi, mais celle-ci, je voulais vraiment vous la présenter. Donc elle est vraiment crânant. Je vous mets les photos sur l'écran et vous avez vu la petite vidéo. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir vous partager une coiffeuse. Elle n'est pas donnée. Elle est au-delà des 200 euros, mais je l'ai dit, elle est soldée et elle est vraiment, vraiment sublime. Donc voilà pour le bon plan. Et alors les filles, pour compléter la coiffeuse et vous faire vraiment une coiffeuse de pro, vraiment, je suis tellement heureuse de vous partager ce produit. Donc généralement, moi j'achète un produit, un quelque chose, et si je trouve que vraiment il déchire, je contacte la société pour essayer d'obtenir un discount. Je leur dis, voilà, je suis influenceuse, j'ai une communauté d'abonnés, etc. Je vais faire la promotion de votre produit sur ma chaîne. Je ne vous demande rien du tout. C'est pas du tout contre rémunération, mais est-ce que vous pourriez offrir un code promo, un discount et quelque chose à mes abonnés? Eh bien là, cette fois-ci, c'est pas ce qui s'est passé. C'est cette société qui m'a contactée. C'est une société allemande. J'ai les pépites devant moi. Les filles, vous ne pouvez pas mesurer l'excitation que j'ai de vous partager cette pépite. Les filles, je vous dis très honnêtement, je suis sollicitée quotidiennement, je reçois des dizaines de mails. 98% de ces mails, c'est du n'importe quoi. Vraiment. Des produits qualitativement médiocres, des choses qui ne m'intéressent pas. Ou des... Franchement, donc le tri, généralement, ça me prend 5 minutes dans le train le matin pour faire le tri. Généralement, c'est rubbish. Voilà, je prends même pas la peine de décliner, je supprime. Mais de temps en temps, il y a une pépite et c'est le cas pour cette société. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'eux. Donc, il s'agit de lampes d'éclairage pour les coiffeuses de maquillage. Donc, est-ce que vous êtes prêtes? Je vais vous les montrer allumées. Donc là, j'appuie. Je suis excitée, c'est normal ou pas? Je vais les allumer, vous voyez là que tout à coup je suis shiny. Tada! Est-ce que vous les voyez? Ah là là! Donc je vais éteindre quand même pour vous les montrer. Mais alors les filles, je suis toute excitée. Donc vous avez vu la puissance d'éclairage. Donc je les éteins. Donc là je viens de les éteindre. Donc vous voyez la différence, je présume, la différence d'éclairage. Elles sont extrêmement puissantes. Et alors c'est exactement ce que je cherchais pour ma coiffeuse mobile. Parce que sur ma coiffeuse fixe ici, j'ai un grand miroir avec des... je me suis fait un mini setup de théâtre. Comme si j'étais vraiment une artiste. Et j'ai un miroir avec les lampes incrustées que j'ai payé une fortune. Je vous en reparlerai un jour si ça vous intéresse. Mais je cherchais vraiment quelque chose de mobile, quelque chose que je puisse déplacer. Et bien c'est parfait. Voilà les lampes éteintes. Et comme vous pouvez le voir ici... Je peux les déplacer comme je veux. Elles sont pas du tout fixées à un miroir. Elles sont pas du tout fixées sur le mur. Je peux les déplacer, les prendre où je veux avec moi, chez moi. Est-ce que vous vous rendez compte que ce produit est génial? Donc la marque, c'est Lamps for Makeup. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et sur le blog. Et surtout les filles, la bonne nouvelle, c'est que le monsieur qui est super sympa, Marc, il s'appelle avec un K, il est super sympa, il nous offre des discounts. Donc elles sont pas données. Mais les filles, qualitativement, elles sont extraordinaires. Extraordinaires. Donc, il existe différents coloris. Il y a du blanc, il y a de l'argenté, il y a du rose gold, il y a du que sais-je. Moi, j'ai pris blanc. La coiffeuse à laquelle je l'ai destinée, que je viens de vous montrer, la Topim, est blanche. Donc voilà, je voulais vraiment du blanc. Les murs chez moi sont blancs, généralement. Donc je voulais vraiment, vraiment, vraiment du blanc. Mais les argentés sont très, très belles. Les rose gold sont très, très belles. Et alors, l'autre choix, c'est que celle-ci comporte 5 bulbes. Vous le voyez là. 1, 2, 3, 4, 5. Et elles sont déjà pas mal grandes. Donc là, je sais pas comment vous les montrer, mais je vais vous les montrer posées sur la coiffeuse. Je vais vous les montrer. Là, je vous mets les photos sur l'écran. Là, vous les voyez sur la coiffeuse. Est-ce que les filles, on dirait pas vraiment un setup de théâtre? Donc, j'ai recréé à peu près ce que j'ai dans ma chambre, dans une échelle moindre. C'est beaucoup moins gigantesque, c'est beaucoup moins gros. Mais c'est le même résultat. Et les filles, quand vous vous maquillez, je l'ai dit, ça, en hiver, etc., et que vous parvenez pas, il fait nuit, voilà.
Là, c'est vraiment un éclairage pro à 100%. Donc ce modèle-ci, celui que moi j'ai choisi, c'est le modèle 5 bulbes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il est déjà pas mal grand, vous voyez sur la coiffeuse ce que ça donne. Mais il existe également un modèle de 4 bulbes et un modèle de 6 bulbes. Donc les filles, je suis absolument ravie de vous partager ce produit. Je pense pas qu'on en ait... Moi, en tout cas, je n'en avais jamais entendu parler en France. Ni aujourd'hui, ni dans le passé, parce que à l'époque où je cherchais vraiment le miroir incrusté avec les bulbes intégrés, franchement, j'ai cherché partout, ça venait de mon Vanity Collection, je sais plus quoi, ça, des fortunes du UK, des États-Unis, etc. Enfin bon, bref, je vous raconterai un jour l'histoire, mais là, c'est une super alternative. Donc non, ils ne sont pas du tout donnés, c'est plus de 150 euros, me semble-t-il. Mais franchement, les filles, c'est de la qualité, je préfère vous dire la vérité. Qualitativement, ils sont dingues. Donc, je sais pas si vous le voyez là, ils sont reliés l'un à l'autre par un fil, et après vous avez le fil auquel vous les branchez. Vous pouvez les glisser n'importe où, ils sont géniaux. Donc, Marc, très gentiment, nous offre un discount, les filles. Bon, donc moi personnellement, ils me les ont offertes. Je les ai pas du tout achetées, je les ai reçues, je vous l'ai dit. Mais vous, les filles et les garçons, ils vous offrent des discounts. Donc, le code c'est The French Way. Et je crois que le code varie en fonction du modèle que vous choisissez. Je pense que c'est 10 euros. C'est même pas 10%, je pense que c'est 10 euros du ristourne. Sur les modèles de 4 et 5 ampoules, et je pense que c'est 20 euros de réduction pour les modèles de 6 ampoules. Donc je suis pas absolument catégorique, mais je vous mets tout, les filles, tout le détail en barre d'infos et sur le blog. Et par contre, attention, ce que je sais avec certitude, c'est que le code n'est valable que un mois. Vous avez un mois à partir de l'apparition, à partir de la diffusion de cette vidéo. Et bien, les filles, franchement, profitez-en. Parce que je vous dis, je vous vendrai jamais, je suis pas du tout rémunérée pour cette vidéo. Je suis jamais rémunérée pour mes vidéos. Mais les filles, vraiment, c'est un bon plan. C'est bibi les bons plans. C'est un bon plan parce que qualitativement, c'est dingue. Qualitativement, c'est dingue. Je sais pas si vous voyez. Elles sont extraordinaires. Donc voilà, je suis absolument ravie de vous partager ce plan. Vous le savez, les filles, moi, je suis ravie de recevoir des tonnes de choses, etc. C'est génial. Mais vraiment, mon kiff, c'est de pouvoir vous les partager à vous. Donc, en attendant de pouvoir vous partager un lot de lampes, peut-être que ça se fera si Marc est content du rendu de cette vidéo. Mais en attendant, voilà, on a un petit discount. Donc voilà. Profitez-en. Donc voilà, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir si vous avez craqué. J'adore quand je vous partage un code promo et qu'après vous me partagez vos achats, je me dis ah là là, j'ai contribué, je suis super contente quoi. Vous savez que moi, dès que je peux faire un petit discount, un petit quelque chose, je suis pas la dernière. Donc voilà, je suis vraiment ravie de vous en faire profiter. Donc je poursuis les filles, toujours dans l'univers du rangement. Pour moi, c'est très important de... Je pense que vous l'avez saisi ça. C'est très important que tout soit bien rangé, bien ordonné, bien... Voilà, qu'il y ait un ordre, que je sache où est chaque chose. Et moi, j'ai pas besoin de... Par exemple, il n'y a rien de caché dans les placards. Tout est bien rangé. Et même dans les placards, tout est bien rangé, vraiment. Donc moi, je suis à fond pour le rangement. Et alors, je suis tout le temps à l'affût comme ça de nouvelles idées, etc., etc. Je suis tombée sur cet objet. J'en ai pas nécessairement besoin, mais je sais que je vais m'en servir. Donc avant de vous montrer l'objet... Je sais que vous allez être très nombreuses à tomber folle amoureuse. Donc, avant de vous le montrer, je voudrais simplement rappeler que je sais pertinemment que je ne suis pas une make-up artiste. Je ne suis pas du tout une make-up artiste, mais il m'arrive de maquiller les gens, notamment des mariés. Il m'arrive de maquiller pour dépanner, voilà, pour aider. Je le fais pas du tout contre rémunération, je le fais pour le kiff, vraiment, de voir la personne, le kiff de ce moment où la personne se regarde dans le miroir, parce que je fais en sorte de pas leur montrer, quelquefois. Quand on fait l'essai, pas le jour J. Mais je fais en sorte qu'elles ne puissent pas se voir. Et le moment où je leur donne le miroir, et de voir ça, de voir leur regard, de voir leur visage. Ah là là. Donc bref, je trimballe un kit quelquefois avec moi. J'ai un kit dédié. Ce ne sont pas des produits que j'utilise sur moi. Ce sont des produits que j'utilise vraiment pour maquiller autrui. Eh bien, j'ai trouvé la baloche. Je ne voulais pas le truc NYX en vend. Il y a beaucoup de monde qui en vend. Les trolls, vraiment, pour les make-up artists, je n'en ai pas vraiment l'intérêt. Ils sont très chers. Je n'en ai pas vraiment l'intérêt, c'était pas vraiment justifié. Donc je suis tombée sur la pépite. Attendez voir. Voici la pépite. C'est la mallette. C'est une mallette d'affaires, je vous ai dit. C'est très sérieux pour Bibi. Et alors attendez voir, je vais l'ouvrir. Ah là là les filles, quand vous allez voir l'intérieur, vous allez vous évanouir. Possiblement. Tenez-vous bien à la maison. Donc, dans un premier temps, vous ouvrez, vous tombez sur ceci. Donc ici, il y a... Je vais enlever le... Voilà, ça c'était une protection en plastique. Donc déjà là, il y a un pinceau qui est offert, voilà. Donc vous ouvrez ici, vous voyez déjà, sur le premier battant, ici ça s'ouvre. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Je peux mettre des produits, des quelque chose, des je sais pas, des que sais-je. Ici ça s'ouvre également. Parfait, pourquoi? Pour glisser les palettes. Les palettes, les fards à paupières, les palettes de contouring, les gros bronzers, les highlighters, tout ça. Sécurisé, je ferme. Ensuite ici...
vous avez le premier rangement. Et là encore, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais il y a le zip qui va bien et vous pouvez mettre des choses ici. Vous voyez? J'espère que vous parvenez à le voir. Et ça, c'est pareil, c'est formidable. Les pinceaux, les beauty blenders, le que ceci, le que voilà, des choses, tu vois. Donc, ça se forme avec un zip. Mais l'essentiel du sujet se situe dans cette partie ici, là. Donc, qui est la partie la plus importante. Je l'ouvre. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Je suis en train de l'ouvrir. Attention, vous êtes prêtes? Voici l'intérieur. Tadam! Vous voyez que je suis... Faut que je me calme un peu. Voici l'intérieur. Donc ici, vous avez la hanse pour le porter sur l'épaule ou pour le porter en bandoulière, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes entre deux vols à l'aéroport. Et alors, là, les compartiments. Et le truc qui est... Donc c'est de la mousse ou du que sais-je. Et le truc qui est génial, c'est que vous pouvez créer les compartiments en fonction de vos besoins. Là, voilà, je viens de le retirer. Ça me fait un giga espace ici. Donc pour mettre, par exemple, des palettes... On peut tout mettre là-dedans, les bouteilles de fond de teint, les fossiles, les blushs, il y a des trucs en rab pour faire créer des espaces. Ce truc est génial, ce truc est génial, génial. Ici, vous avez la petite poignée, la poignée des familles, n'est-ce pas, là-haut. Ici, la hanse, on dirait que je vous fais le téléachat. Ça me fait penser à Monsieur Belmar, qui nous a quittés récemment, qui nous manque déjà beaucoup, enfin bon, bref. Bref, et alors, ça me fait vraiment penser à lui. Auquel cas, c'est un... Je viens de m'auto-attribuer un compliment. La poignée, je le disais, la poignée ici. Et ici, donc, la tâche pour accrocher la hanse. Et alors, le truc est génial. Et ici, de quoi le poser sur la valise, sur votre trolley, comme ça. Comme une pro. Je trouve ce truc absolument génial. Et là, le plus beau dans l'histoire, c'est que je l'ai payé, je crois, une trentaine de dollars. Et alors, oui, je vous ai pas dit où je l'ai acheté. Il me semble que je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur eBay. Et donc écoutez, je le disais, une trentaine de dollars, c'est-à-dire rien du tout. Génial. Et alors la matière, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que c'est lessivable. Je sais que je peux y aller avec... Déjà, ça ne sera pas catastrophique si j'ai un produit qui sort en verse. J'essaie d'éviter, mais voilà, on ne sait jamais si quelque chose se casse ou quoi. Mais déjà là, c'est pareil, j'allais vous dire, c'est impossible que quoi que ce soit se casse. Parce que c'est de la moumousse. C'est de la moumousse. Je ne sais pas comment vous expliquer la matière. Vous entendez? Vous voyez à peu près ce que c'est. Donc, moi, je suis complètement séduite par ce truc-là. Je me sens comme une make-up artiste. Je m'en suis pas encore servie, mais j'ai hâte. Je vais me trouver un cobaye à maquiller quelque part. Les filles, je viens chez vous vous maquiller. Dites-moi, vous habitez où je viens? Juste pour utiliser la valise. Donc, je suis absolument ravie de cet achat. Ravie, ravie de cet achat. Et je sais que vous êtes très nombreuses à être des make-up artistes qui débutent dans le business. Ben ça, les filles, concrètement, ça peut vous intéresser. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment, vraiment vous le partager. Donc voici pour le méga, en fait il n'est pas si méga mais il est complet, donc pour le vanity très complet de voyage, je vous reviens tout de suite. Et alors je poursuis, toujours dans l'univers du rangement, toujours dans l'univers du rangement, je suis absolument obsédée par le fait, par le rangement de mes chaussures en fait. Vous allez me dire t'es obsédée par tout, c'est vrai, ceux et celles qui sont venus chez moi peuvent en témoigner. C'est rangé au carré, les fringues, ce qui doit être sur des cintres et sur des cintres, ce qui doit être plié par gradation de couleur. J'ai le truc qui permet de folder les t-shirts, là, vous savez, pour que tout soit exactement fait à la même dimension. Enfin bon, bref, je suis un petit peu maniaque. Tout petit peu. Bref. Et bien, pour les chaussures, c'est pareil. J'en ai beaucoup, donc j'ai besoin qu'elles soient très très bien rangées. Bon. Et alors, je possède beaucoup de bottes. Je possède beaucoup de bottes et beaucoup de cuissardes, d'accord? Et alors, je déteste quand la botte... Quand je ne suis pas dedans, d'accord? Et qu'elles sont généralement en cuir, hein, je n'ai pas envie de les user, de les abîmer en les rangeant maladroitement. Tu sais, quand elles se recroquevillent sur elles et qu'elles ne sont pas bien. Et alors, donc, les filles, ça fait des années que j'achète ceci. Donc, comment est-ce qu'ils appellent ça? Je ne sais pas comment ils appellent ça. The Perfect Boot Shaper. Donc, ça, pareil, j'ai attrapé sur Amazon. Je les achète généralement par paquet de 20, mais ça dépend vraiment des prix. Là, en ce moment, les prix, je vous l'ai dit, ça, les filles sur Amazon, c'est une astuce. Quand il y a quelque chose qui vous paraît trop cher et que vous n'êtes pas du tout dans une urgence, attendez voir et retournez-y régulièrement et regardez ce qui se fait dans les autres marques. Donc, moi, là, j'étais pas pressée. Dans les 20, ils étaient beaucoup trop chers. Donc, j'ai pris ce paquet qui en contient combien? Je sais pas combien il y en a là-dedans. Il me semble qu'il y en a 8. 8 ou 10, donc pour 4 ou 5 paires de chaussures. Et alors comment ça fonctionne? Vous le voyez, ce sont des espèces de feuilles de plastique, de feuilles épaisses de plastique, je vais les faire pour vous montrer. Voici comment ça se présente, tout simplement. On dirait une palette de peintre. Et je ne sais pas du tout quelle est la matière, mais ce sont des embauchoirs pour les bottes. Ce sont des embauchoirs, donc vous le pliez
et vous le rentrez dans la botte, et donc la botte se tient. C'est formidable. Donc là, je vous ai fait un exemple avec mes cuissardes. Une de mes paires de cuissardes de chez Mango, je vous les avais déjà présentées. Donc là, vous voyez que la cuissarde est super, super longue. Donc il existe des embauchoirs qui arrivent jusqu'en haut. Hein. De la même manière qu'il existe des embauchoirs qui sont beaucoup plus petits pour les bottines. Mais moi, généralement, j'achète ce format-là parce que elles vont, l'endroit où elles vont, je pourrais pas me permettre qu'elles soient plus hautes. Tu comprends? Mais là, pour moi, c'est bien. La botte, elle se tient. Elle n'est pas abîmée, elle n'est pas toute recroquevillée. Bon, là, c'est du tissu, mais c'est surtout valable pour les bottes en cuir. Elles se tiennent toutes droites et fières et elles sont bien et elles sont safe. Et elles sont pas du tout en train de se friper inutilement dans mes rangements, tu comprends? Donc j'adore ce rangement, j'adore ce rangement. C'est une idée toute bête, hein. Donc il existe les embauchoirs transparents, il existe des embauchoirs noirs. Voilà, donc moi je suis très très contente avec cela. Par définition, on ne les voit pas, n'est-ce pas? Mais je suis absolument absolument ravie. Donc c'est peut-être une astuce random, mais extrêmement utile, si vous réfléchissez. Donc voilà, je viens de les racheter, je voulais vous les présenter. Je poursuis toujours dans l'univers de la chaussure avec là quelque chose que je rachète, que je rachète, que je rachète, que je rachète, que je rachète. Donc Bibi Maniac a besoin que ses sneakers, dont je suis une grande, grande, grande fan, moi, vous le savez. Moi, je porte des sneakers, j'ai repéré une paire de filles. Je vous la mets ici, là. Je suis à deux doigts de craquer pour la sneaker de chez Dior. Vous l'avez vu ou pas? Je suis à deux doigts. Jusqu'alors, j'ai été récemment très très tentée par les Gucci, avec les abeilles, etc. Je me suis dit, oui, 650 ou 700 euros pour une basket, blablabla. Je me suis auto-dissuadée, j'en avais très envie, mais je me suis auto-dissuadée. Mais ce modèle, moi vous savez que Dior, c'est vraiment pour moi une marque particulière. Pour tout ce qui est de l'habillement, des accessoires, etc. Vous savez que ma marque absolue de l'univers, de la vie, c'est Hermès. Mais Hermès, en termes de prix, c'est autre chose. It's another world, d'accord? Dior, c'est pas comme si c'était donné, mais c'est déjà plus accessible. Si on fait des efforts, si on économise, etc. Ça reste encore envisageable. Je dis pas que c'est à la portée de tous, je suis pas du tout folle. Mais voilà, je vous ai récemment partagé un craquage de chez Dior. Voilà, pour moi, pour la qualité... Et pour l'usage que je vais en faire et pour le temps que je vais les garder, le prix me paraît absolument justifié. Et donc j'essaye de m'auto-convaincre de ne pas acheter ces chaussures. Parce que la beauté... Donc, bref, pour revenir à la moto, là j'ai fait une digression totale. J'ai besoin que mes sneakers soient nickel en toutes circonstances. Donc je ne me prive pas des chaussures claires, mais je les lave très régulièrement. Très régulièrement. Très régulièrement. Donc évidemment que c'est bien pour conserver les couleurs, pour que le blanc reste blanc, pour que les couleurs nudes restent nudes, etc. etc. C'est formidable. Mais lorsque c'est du cuir, c'est facile à nettoyer. Lorsque c'est même ou de la croûte de cuir, les gommes, les brosses, etc. Mais lorsque c'est du tissu. Exemple en est, ce modèle que je viens de vous montrer de chez Dior, comment est-ce qu'on fait? Eh bien Bibi a la solution. C'est une solution que j'ai trouvée il y a quelques années et maintenant personne ne pourra me dissuader d'acheter ces produits jusqu'à la fin des temps. Donc voici la marque. Je suis persuadée que vous êtes nombreuses à les connaître déjà. Franchement, j'en suis persuadée. Pour toutes les autres, les filles, courez. La marque, c'est Jason Mark, avec deux K. Moi, je l'attrape sur Amazon. Donc, il y a le produit, il y a plusieurs produits dans la gamme. Mais le produit vraiment, c'est lequel moi, je ne pourrais pas vivre, c'est lui. C'est lui, c'est la raison pour laquelle là, vous voyez la méga bouteille. Et là, vous voyez la bébé bouteille pour le kit de voyage. Ça, c'est pour moi, ça, c'est mon kit de voyage. Donc, j'en ai racheté un récemment. Le produit, le voici. Donc, vous prenez un bol avec de l'eau tiède, d'accord? Et vous prenez votre brosse, ça peut être celle-ci, ça peut en être une autre, pas trop agressive mais efficace. Vous prenez la brosse, vous la trempez dans l'eau, vous l'égouttez grossièrement, vous mettez un tout petit peu de produit sur la brosse et vous le replongez dans l'eau et après vous pouvez passer directement sur la chaussure. Et vous faites mousser délicatement, vous faites mousser délicatement. Donc moi ma technique c'est d'y aller vraiment dans un mouvement unidirectionnel. Je ne fais pas des allers-retours et je ne fais pas des cercles ou des que sais-je. J'y vais dans un mouvement unidirectionnel. Et après, avec un tissu, une serviette, éponge ou quelque chose, je vais éponger la mousse. Je passe de l'eau au doigt comme ça ou alors avec la serviette et je repasse sec et je les mets à sécher. Et les filles, aucune tâche ne résiste. Aucune tâche ne résiste à cette marque. Téléachat là encore, mais je vous jure que c'est efficace. Moi j'ai des sneakers jaunes, j'ai des sneakers orange. Il y a tout le temps, surtout quand ça fait moins d'une semaine que je les ai achetés, il y a toujours quelqu'un qui vient me marcher dessus. D'accord ? Les NMD, j'ai des NMD nude. Tout le temps, il y a tout le temps quelqu'un pour me marcher dessus, c'est très étrange. Tu vois, j'ai l'impression que les gens savent. Bref,
voilà les chaussures blanches, etc. C'est génial, c'est génial. Et toujours dans la même marque, puisque j'ai fait une commande, j'en ai profité, le Repel, donc c'est-à-dire l'imperméabilisant anti-tache, anti-humidité, anti-que ceci, que voilà, anti-goutte, anti-voilà. Cette marque est géniale, les filles. Je pense que c'est une marque américaine, je suis pas sûre à 100%. Ouais, Los Angeles, ouais, donc c'est une marque américaine et ils sont géniaux. Donc moi j'utilisais pas mal les produits de chez Foot Locker. Tu sais, quand t'achètes tes baskets, ils te proposent des produits, etc. Ils sont pas mal, mais j'ai des taches qui leur ont résisté, par exemple. Tu vois, leur imperméabilisant est très bon, mais les produits anti-taches, etc., j'étais pas convaincue. J'ai dit non, moi, I need more. Il me faut vraiment du costaud. Ben là, c'est du costaud, mais très doux, il abîme pas les chaussures. Donc avec un tel arsenal, il est possible d'envisager. Je vous en reparle, les filles, si je craque. Je vous le partagerai avec grand plaisir. Donc, je poursuis. J'en ai terminé avec le rangement. Ah non, j'ai pas fini avec le rangement. Attendez voir. J'en ai presque terminé avec l'univers du rangement, les filles. Mais je vous présente là encore un produit que je rachète. Que j'adore. Vous le voyez ici. Là encore, il est sous le plastique. Là encore, c'est quelque chose que j'ai attrapé. Si c'est pas eBay, c'est Amazon, l'un ou l'autre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est un rangement pour les lunettes. Très joli. Donc en bois, très simple, il est très beau. Il est très simple mais très beau. Donc j'ai énormément de paires de lunettes. Au début, les lunettes, je les rangeais dans la boîte qui ressemble à celle que je vous montrais tout à l'heure en velours gris là, pour les bijoux. Je rangeais mes lunettes avant dans ça, mais maintenant j'en ai vraiment beaucoup. Je fais régulièrement du tri. J'en donne vraiment, j'en offre, etc. Mais j'en ai quand même beaucoup beaucoup. Donc c'est important pour moi de pouvoir les ranger correctement, qu'elles ne prennent pas la poussière et qu'elles soient pas n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment. Donc à se rayer ou à que sais-je. Donc j'ai trouvé ceci et ça va, pour moi c'est parfait dans mon dressing. Il y a un endroit dans mon dressing où ils vont, parce que les traits comme ça, j'en ai plusieurs. Et le mari aussi. Donc voici ce que ça donne, je vous mets des lunettes dedans pour que vous visualisiez le projet. Bon voilà, j'ai attrapé quelques paires, les filles, je ne l'ai pas complètement rempli parce que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 paires, c'est vous dire. Mais voilà, le rangement est super. Bon, quand il est posé, rien ne bouge évidemment. Vous voyez comment elles sont disposées, les lunettes, je ne sais pas si vous parvenez à les distinguer. Elles sont pas complètement couchées en arrière, elles sont un tout petit peu surélevées. C'est facile pour choisir, etc. Et c'est génial. Arranger dans un tiroir, c'est encore mieux. Mais si vos tiroirs sont déjà remplis, comme une certaine personne, vous pouvez les laisser en évidence. Ça ne jure pas, c'est très joli. Et rien ne dépasse, et c'est super beau, voilà. Et c'est facile aussi de passer un petit coup de Swiffer, tu comprends? Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ce petit rangement à lunettes. Toujours dans le rangement, un petit craquage. Vous savez comment est-ce que je range mes Beauty Blender? Je vous avais présenté le porte-éponge à maquillage de chez By Allegory. Je vous le mets ici quelque part sur l'écran, qui est vraiment génial pour les tout petits Beauty Blender, etc. etc. Je l'adore, je changerai pour rien. Mais j'ai de plus en plus d'éponges. J'ai de plus en plus d'éponges que je veux garder. Donc j'ai craqué pour ce petit boubli que j'ai attrapé là encore sur eBay. Ils sont encore tout neufs dans le Hills, parce que j'en ai acheté une demi-douzaine. Je crois que c'était 80 centimes ou 70 centimes l'unité, c'était rien du tout. Et donc ils sont rose gold, du DA, mignon comme tout. Voilà, rose gold, vous le voyez là? J'espère que vous parvenez à le distinguer. Je vais le mettre pour que vous puissiez le voir correctement. J'espère que vous parvenez à le voir là. Très mignon pour mettre le beauty blender quand vous venez juste de le laver, pour qu'il sèche tranquillement sans la prolifération bactériologique. Prolifération bactérienne, bref. Et alors très mignon, et je vous dis, c'était même pas 1 € la pièce. Ils sont en rose gold, donc il existe des gold, des silver, il existe plusieurs couleurs, des bronzes me semble-t-il. Moi je me suis dit, bon, rose gold, et ce que j'entreprends de faire, c'est d'en mettre un par-ci par-là sur mes vanity. Voilà, pour avoir les beauty blender en évidence. Et puis voilà, c'est joli, c'est une petite touch comme ça de couleurs. Je les trouve super mignons, donc voilà, je voulais vous les partager. J'en ai terminé avec le rangement, les filles. Mais avant de passer à la cuisine, et ensuite on a du sport, je voulais vous présenter un petit quelque chose qui m'a fait craquer. Donc, vous l'entendez? Donc, c'est un petit quelque chose. Là, en ce moment, maintenant que Instagram est devenu vraiment un centre commercial, où il est question de vendre tout et n'importe quoi, mais vraiment tout et n'importe quoi. Moi, je vois des choses. J'ai même vu de la contrefaçon, moi, sur Instagram. Alors, je signale, parce que, mais genre de la contrefaçon, vraiment. Bref, pour revenir à l'avant-temps, je vois cette société, donc c'est une société, me semble-t-il, canadienne, il s'appelle Home Up.
Je vous mets là sur l'écran leur logo ou quelques photos de leur Instagram. Et alors, ils vendent les marque-pages. Vous me savez, une grande liseuse. Je lis énormément. Et alors, les marque-pages. Donc, fut un temps, je mettais des photos, après des que ceci, des que voilà. J'avais vraiment envie d'un marque-page un peu funky. Et ben les filles, je me suis acheté des trombones géants. Vous les voyez? Donc, celui-ci est gold et celui-ci est silver. Et donc, sur un bouquin, ça donne ceci. J'ai pris un bouquin là, que je suis en train de lire. Les filles, je sais que vous attendez ma vidéo sur les lectures. Dans cette vidéo sur les lectures, je vais vous parler d'un auteur en particulier. C'est lui. Qui va mettre le ralenti pour voir de qui il s'agit? C'est un auteur qui écrit magnifiquement. Il y a peu de monde du monde vivant que j'aimerais tellement rencontrer. Mais ce monsieur-là, j'aimerais tellement le rencontrer. Bref, pour revenir à la mouton, je m'éparpille. Voici ce que ça donne lorsque vous utilisez le marque-page. Je trouve ça génial, je le trouve génial, même quand le livre est fermé. Je les trouve vraiment sublimes, donc je les ai achetés les filles, c'est pas du tout un cadeau. Je les ai achetés, je pense que ça m'a coûté une quinzaine d'euros me semble-t-il, mais ils sont vraiment, vraiment extraordinaires. Donc le gold et le silver, juste ici. Donc voici pour une nouvelle petite astuce. Il faut pas, je diabolise pas complètement les trucs d'Instagram, parce que au contraire, voilà, là c'était une petite trouvaille. J'aurais probablement jamais entendu parler de cette société Home Up canadienne, probablement jamais. Donc il y a quand même du bon, mais là je trouve que ça devient beaucoup quand même. Et moi quelquefois ça me fatigue, je dis oh là là, j'ai pas envie de voir ce bazar là. Alors tu fais sortir la pub, elle n'est pas pertinente, je la vois trop souvent, ils te le remettent, tu vois. Enfin bon, bref. Ça ne nous empêche pas de décoter quelques pépites. Donc l'un dans l'autre, ça va, je me plains pas trop. Je poursuis les filles avec la cuisine. La cuisine. Donc première chose, j'en ai beaucoup. Première chose, ceci. Je me suis racheté la natte. Je vous en avais parlé dans ma vidéo forme et santé sur la cuisine asiatique. Je vous l'attache juste ici pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Je vous parlais d'une natte à partir de laquelle le riz ne colle jamais. Le riz, quand on fait les makis et les sushis, etc. C'est elle. Donc je l'ai racheté parce que l'autre, pour des raisons obscures, a disparu de la surface de ma cuisine. Donc voici, donc c'est un produit japonais, les filles. Là, c'est pareil, c'est l'Amazon américain, me semble-t-il. Donc évidemment, je ne comprends rien de ce qui est écrit, à part que c'est marqué Made in Japan et que la marque, c'est Azegawa. Hein? Donc voilà, c'est vraiment un produit professionnel de chez eux. Et voici la natte. Et donc avec ça, il est impossible que le riz ne colle pas. Donc c'est exactement la même que j'avais. Je sais pas où c'est qu'elle est partie maintenant. Si jamais je la retrouve, j'en ferai cadeau à quelqu'un. Mais voilà, la voilà. Je vous avais promis de vous la montrer. Et alors je l'ai cherchée partout pour vous la montrer. Disparue. Donc je l'ai rachetée. Et alors un autre produit. Là pour le coup, le mien est ici. Et celui que je viens de racheter est à côté. J'espère que tu ne regarderas pas cette vidéo, Nas. Parce que sinon tu sais que je te l'ai attrapé. C'est pour Nas, pas. Donc moi, vous savez que je suis à fond dans l'avocat, le fruit. Je suis à fond dans l'avocat tout court, vous le savez, mais je suis à fond dans l'avocat, le fruit. J'adore ça, je vous en reparle bientôt les filles. Je vous avais parlé d'une révolution alimentaire. Je vous avais parlé d'une révolution dentaire chez Bibi. Est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose déjà là? Là, tout le monde va s'approcher pour voir quoi, mais... Je vous avais parlé d'une révolution dentaire et je vous avais parlé d'une révolution alimentaire. Je vais filmer ces vidéos bientôt, vraiment bientôt donc. Je m'attends à du backlash, je m'attends à de l'hostilité, mais c'est tellement formidable que vraiment je tiens vraiment à filmer ces vidéos. Donc, pour revenir à nos moutons, je consomme énormément d'avocats, j'en consomme énormément. Et bien moi, ça fait très longtemps que j'ai déjà ce produit dans ma cuisine. Donc c'est un produit qui est génial pour tous les grands consommateurs d'avocats. Donc je vous entends déjà me dire, Sabrina, ces gadgets, on peut parfaitement vivre sans. Et je vous répondrai, oui absolument, moi j'ai vécu très très longtemps sans lui. Mais si comme moi tu consommes très souvent des avocats, c'est quand même extrêmement pratique. Et pour les avocats et pour les mangues, c'est quand même extrêmement pratique. Donc avec ce côté, c'est une lame, mais ça tranche, hein, mais c'est pas du tout du couteau, ouais, c'est du plastique. Je coupe mon avocat et je l'ouvre avec cette histoire au milieu là. Je viens retirer le noyau très simplement, sans abîmer ni quoi aux caisses. Tu le poses vraiment sur le noyau de l'avocat et tu n'as même pas le temps de faire un tour. Tu bouges à peine, il attrape le noyau. Sans l'abîmer. Vous savez que moi je fais germer mes noyaux d'avocat, il ne faut pas les abîmer. Je fais noyau là, et alors avec cette partie là, il suffit que j'aille tout simplement dans mon avocat et il me le tranche. Et c'est très beau, et il sort ici et je le pose sur mes tartines ou sur mes quelque chose et c'est parfait. Il est génial, ce produit est génial. Et je m'en sers également pour les mangues. Parce que les mangues,
Moi, nonobstant le fait que ça fait à peu près 25 ans que j'en achète et que je les ouvre moi, je galère tout le temps et j'ai beaucoup de pertes parce que j'arrive jamais à trouver où est le noyau, c'est toujours compliqué. Ben, je le fais avec ça maintenant. J'adore ce produit, donc je viens d'en acheter un autre pour la Smart. Parce que toutes les deux, on est à fond dans les toasts d'avocat. Avocado toast for life, vraiment. Donc voici le mien, il est vert, et voici le sien, j'en ai trouvé un blanc. Donc je le lui ai pris. Je sais pas si vous parvenez à distinguer l'explication. Split, pit, slice. Donc le couper, le dénoyauter et le trancher. Donc voilà pour ce truc qui est génial. Donc un avocado slicer, tout simplement. Je l'ai pas vu nécessairement ici en France. Mais sachez qu'aux États-Unis, par exemple, ou au UK, tout le monde utilise ce truc-là. Moi, je sais plus exactement vous dire où je l'ai vu. Il me semble que je l'ai vu, que je l'ai découvert, parce que moi j'espère, je suis comme vous. Dans une vidéo recette du UK ou des US, je sais plus, mais c'était des gens qui des anglo-saxons. Je sais plus exactement, mais en tout cas, j'avais été pister les liens, etc. et je l'avais retrouvé. Donc voici pour mon toast d'avocat. Et toujours dans l'avocat, si comme moi, tu manges également beaucoup d'avocat, tu as besoin de ça dans ta vie. J'ai la même chose pour les citrons, parce que vous savez que moi le citron c'est la vie. Il se passe pas un jour dans ma vie sans citron. J'en mets partout, vraiment j'en mets partout, j'adore ça. J'adore ça même dans mon eau, partout. Eh bien, quand tu as découpé ton citron, la moitié qui reste, quelles sont celles d'entre vous, celles et ceux d'entre vous qui ont vraiment la force d'aller chercher un sac de congélation ou d'aller chercher un bout d'aluminium? La tentation est grande de le poser directement dans le frigo comme ça, la moitié du citron. Et après, il va sécher et c'est pas bon, hein. Moi, j'ai acheté des couvercles en silicone pour le citron. Je vous le montrerai un jour si ça vous intéresse, mais là, maintenant, j'ai trouvé la même chose pour mes avocats. Donc, ce sont tout simplement des étuis en silicone, donc souples, de deux tailles différentes, parce que moi, vous savez que je suis dans les avocats du Brésil, les avocats exotiques, qui sont énormes, là. Mais ils s'adaptent en réalité à la taille de l'avocat. Donc quand ce sont des avocats de petite ou moyenne taille, j'utilise celui-ci. Quand ce sont des avocats de puce, moyenne, voire grosse taille, j'utilise celui-ci et ils s'adaptent vraiment à la taille de l'avocat sans les crabouiller, sans les écraser complètement. Et pour moi, ça c'est l'indispensable. Et avec ça, je peux garder une moitié d'avocat jusqu'à 3 jours dans le frigo. Sans qu'il ne noircisse, sans qu'il ne s'abîme, sans que rien du tout. Et c'est formidable. Enfin, peut-être que je suis un peu trop excitée. Mais pour moi c'est formidable. Je vous raconte pas les filles des demi-avocats que j'ai jetés, le nombre de demi-avocats que j'ai jetés à la poubelle parce que j'avais zappé, tu vois. Ou que je me suis dit ouais je vais le poser 2 minutes avant de le mettre dans un sachet et j'ai complètement oublié et tu le récupères, il est tout noir, il est fichu, il est plus bon, tu vois. C'est du gâchis. Donc voilà, mes étuis. Les filles, ce genre de haul, est-ce que ça fait de moi une genre la parfaite ménagère ou pas? Dites-moi en commentaire. Donc je poursuis et le dernier produit de la cuisine. Donc là, c'est un produit vraiment dont moi, je ne peux pas vivre sans. Là, c'est pareil, je l'ai acheté, je vous dirai pas pour qui, mais je l'ai acheté pour quelqu'un d'autre. Le mien est dans ma cuisine depuis fort longtemps, il n'en bouge pas. Là encore, Amazon US, parce que je ne l'ai pas vu sur l'Amazon français. Vous êtes nombreuses à me dire, oui, Sabrina, le Amazon US. Les filles, c'est pareil, je l'ai déjà dit, avec Amazon, il n'y a pas de frais de douane ou de que sais-je. Et quelquefois, les frais de port ne sont pas beaucoup plus élevés. Bien souvent, les frais de port sont gratuits. Tu vois? Quelquefois, je paye plus cher les frais de port d'un truc de France à France que d'un truc de States à France, tu vois. Donc, je le disais, c'est un produit que moi, je possède déjà. Je ne vous fais pas l'affront de vous montrer le mien, il est déjà utilisé. Mais c'est un produit absolument indispensable si, là encore, tu apprécies beaucoup les toasts d'avocat notamment et que tu ne parviens pas à réussir ou que tu n'as pas la patience de faire bouillir de l'eau, de mettre une cuillère à soupe de vinaigre blanc et d'aller surveiller le que ceci, le que voilà. Et avec la louche, j'en parle à moitié et c'est pas joli, les œufs pochés. Moi, je suis une grande consommatrice d'œufs. Là encore, je vous en reparlerai bientôt. Et les œufs pochés, pour moi, c'est toujours une catastrophe. Donc, quand je vais dans des restos un peu fancy, comme ça, et que je prends un toast d'avocat avec un œuf poché, moi, les œufs pochés, c'est une de mes manières préférées de manger les œufs. Ah, les œufs pochés! Bref, quand je les vois dans les restos, je me dis, mais comment ils font, quoi? Comment ils font? Je sais, il y a la technique, après, il faut le travailler dans l'eau, au bain-marie, ou là. J'y arrive jamais, donc j'ai acheté cette espèce de casserole magique extraordinaire, donc je peux l'ouvrir. Est-ce que je peux l'ouvrir pour la remettre par après dedans? Oui. Donc je l'ouvre tranquillement pour la réemballer tout à l'heure parce que je vous l'ai dit, c'est un cadeau. Donc voici la bête. Voici la bête, une petite casserole qui va bien, très jolie. Là évidemment, de là où vous êtes, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais c'est vraiment de très très bonne qualité, très très bonne qualité. C'est lourd, etc. C'est vraiment un très très beau produit. Voici le couvercle, et alors j'ouvre le couvercle. Et voici ce qui se passe à l'intérieur. Donc, l'emplacement pour 4 œufs pochés. Il suffit tout simplement ici de mettre de l'eau. Vous la mettez sur votre gazinière, comme à l'accoutumée, électrique ou au gaz, c'est indifférent. Et vous laissez l'eau frémir. Et après, vous mettez vos œufs dans les petits
Et alors regardez la forme. Vous voyez la forme là? Je le mets sur mon visage pour que vous puissiez le distinguer. Je mets mes œufs là-dedans. Je n'en mets généralement que 2 et pas 4. Mais voilà, on peut en faire 4. Je repose le couvercle. Je compte 1 minute 20, 1 minute 30. Et je les sors. Et je les démoule. Et ça se démoule tout seul. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et ça se démoule tout seul. Et ils sont dans une parfaite forme. Et la cuisson est parfaite. Et c'est génial. Et c'est génial. Ça dépend de vos goûts. Est-ce que vous voulez votre œuf très très coulant? Est-ce que vous le voulez un petit peu moins coulant? C'est vraiment, on peut le faire sur mesure. J'adore cet objet. Franchement, il fallait y penser. Je sais que c'est pas très très sorcier de faire un œuf poché, mais les miens, les fiches, je me débrouille pas trop mal dans la cuisine. Mais mes œufs pochés, c'est toujours catastrophique. Catastrophique! Donc là, ils sont parfaits sur mes toasts d'avocat. Mon avocat est parfait. Et mon œuf poché est parfait. Voilà donc ce que je voulais vous partager pour le domaine de la cuisine. J'ai encore 3 petites choses à vous présenter. La première, alors là, on passe dans l'univers du sport. On passe dans l'univers du sport. J'ai trouvé des nouvelles bandes de gymnastique. Je sais que je vous en ai partagé récemment, mais je les ai perdues, les filles. Je vous ai dit que moi, je perds beaucoup les choses. Parce que je change de sac, j'en ai un au travail, j'en ai un dans la voiture, bref. Je les ai perdues, donc là, j'en ai racheté et elles sont vraiment extraordinaires. Elles sont vraiment, vraiment extraordinaires. Donc, j'attendais de voir ce qu'elles valent pour les racheter. Là, c'est la deuxième fois que je les rachète pour les mettre dans un autre de mes sacs. Et voilà. La même logique, intensité légère, intensité médium, intensité hard et intensité hardcore. Elles sont vraiment géniales. Donc, la marque, c'est Sport Research. Mini loop bands et elles sont vraiment géniales. Donc je pense que je vous partagerai à un moment donné des exercices avec les bandes parce que les filles, les bandes à elles toutes seules pour une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'euros valent bien des machines qui coûtent une fortune. On peut faire un workout complet, les bras, le fessier, les cuisses, les jambes entières avec juste des bandes de résistance. Tu vois? Donc peut-être comme dit que je vous partagerai des workouts avec les bandes de résistance, mais les filles, moi elles font partie de ma vie. Elles font partie de ma vie. Quelquefois, c'est l'exercice vraiment autour de mes bandes de résistance. Ou quelquefois, c'est même je suis en train de faire mon cardio sur le tapis, par exemple. Et bien, je rajoute une petite difficulté, je rajoute une petite résistance. Et ça permet vraiment, pour le même exercice, de solliciter vraiment le muscle encore plus en profondeur. Tu comprends? Donc, voici pour mes bandes de résistance. Et alors là, maintenant, j'en passe au cadeau. Transparence, toujours les filles avec moi, vous le savez. Ce sont des produits que j'ai reçus. Un de quelqu'un que vous connaissez. Et l'autre d'une société dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'alors, il s'agit de Sudio. Donc il me semble que c'est une société suédoise, tu vois. Donc je vous mets là encore les liens en barre d'infos, etc. Ils ont eu la gentillesse de m'offrir ces deux produits, qui pour moi, gym addict, sont des indispensables. Donc moi, au sport, j'ai ma musique dans un iPod que je tiens sur mon bras, dans un brassard comme ça. Parce que ça fait très longtemps que j'ai décidé de ne plus avoir mon téléphone avec moi dans la salle. Il est dans mon vestiaire, etc. Mais je ne le prends plus avec moi, vraiment. Je vous fais un petit post, un petit quelque chose. Et après, je le range et je ne le retrouve qu'à la fin de ma séance. Mais la musique est vitale pour moi à la salle de sport. Donc, j'ai mon petit brassard ici. Mais jusqu'à présent, j'avais des écouteurs vraiment avec le fil. Parce que je ne voulais pas acheter les Beats. Ma cible, vraiment, c'était les Beats de Dre. Sans fil, mais écoute, ils ont l'air très bons, de ce que j'entends. Mais écoute, une fortune. Et bien, voici deux alternatives. Donc, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, les filles. Ils sont tout neufs. Je les ai même pas encore ouverts. Donc, ce premier modèle ici s'appelle Sudio Tree. Donc, je vais les ouvrir, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc, ça peut ouvrir des avocats et des écouteurs. Bref, en tout cas, le packaging fait super pro. Le packaging fait presque Apple. Vous voyez ici le nom de ce modèle, c'est le modèle Tree. J'espère que c'est comme ça qu'il faut prononcer parce que je fais du down. Ah non, c'est un produit qualitativement, on est au-dessus là. Je ne sais pas combien coûte ce produit, mais même s'il est cher, je pense que c'est justifié. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Alors, attendez voir. Là, rien que le packaging, vous voyez le packaging ou pas? C'est super bien emballé. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué? 15 minutes, ah, 15 mètres de distance, parce que c'est du Bluetooth. C'est du Bluetooth, donc c'est génial. Si tu es à moins de 15 mètres de ton vestiaire, ou si ton téléphone ou ta machine, par exemple, est à moins de 15 mètres... Tu n'as pas besoin d'avoir la machine sur toi. Formidable. Donc 15 mètres à distance de l'appareil et 9 heures d'écoute sans interruption. Donc dis donc, les voici. Ils sont beaux, ils sont blancs. Ah là là, je veux faire des bêtises. Je les attrape les filles et je vous reviens, j'ai pas envie de faire des bêtises. Parce que le produit est crânant. Donc voici les écouteurs déballés. Donc c'était très mignon parce que le cordon ici était relié ensemble avec le petit scratch là. Qui tenait tout parfaitement en place. Donc les voici. Et alors c'est dommage, j'aurais dû l'ouvrir avant de faire cette vidéo parce qu'il est indiqué charge before use. J'aurais dû les charger évidemment avant de les utiliser, mais
Voici le reste du packaging. Donc à l'intérieur, il y a ceci. Leather case. Du down. C'est un étui en cuir. Waouh. Du down. Un étui en cuir blanc. Attends, je l'ouvre. Avec le petit bouton rose gold. Vous le voyez là ou pas? Pour pas les perdre. Waouh, très mignon, marqué studio. Les filles, je vais aller voir le prix. S'il faut, je suis en train de vous présenter un produit qui vaut une fortune, je sais pas. Donc, franchement, d'habitude, je fais mes devoirs. Mais là, je viens vraiment juste de le recevoir. Et il y a une bonne nouvelle, donc je me suis dit, quel que soit le prix, je vais vous le partager. Studio, le petit étui des familles qui va bien en cuir blanc avec le petit bouton rose gold, vous le voyez ou pas? Crânant. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a comment on appelle ça, des trucs de rechange. Les petits étuis là qui couvrent concrètement les écouteurs. Génial, donc de différentes tailles et de rechange. Et la petite bague là encore rose gold, je sais pas, pour les attacher ou les relier, un truc que sais-je. Donc vous avez bien compris, ça passe derrière la tête. Où est le gauche, où est le droit? Left, d'accord. Donc vous êtes au sport, d'accord. Vous n'avez pas envie comme moi d'avoir le fil, parce que moi en ce moment j'ai le fil partout, donc là vous avez vu, je l'ai fait passer derrière la tête, vous voyez ou pas? Ah, vous pouvez, avec la petite bague là, rose gold, vous pouvez le raccourcir encore, c'est crânant. Et alors what else? Ça, le petit chargeur, donc chargeur USB tout simplement, vous le voyez là, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout est remarquablement emballé là, c'est le petit scratch, USB extraordinaire. Et alors là qu'est-ce qu'on a? C'est la garantie du down. Le manuel d'utilisation. Il y a la petite. Ah, il y a la télécommande. Elle est où? La télécommande. On dirait une personne âgée, non? Qui découvre la technologie. Vous voyez la télécommande? La télécommande. Malheureusement, je peux pas. Je peux pas m'en servir. Ils ont dit qu'il fallait les charger d'abord. Et alors là, qu'est-ce que c'était là? American Express Black? Certificat de garantie. Et donc ils expliquent que c'est compatible avec tous les appareils équipés du Bluetooth. Genre tous les appareils dotés du Bluetooth. C'est extraordinaire. Moi je suis super excitée. Donc je peux m'en servir même dans le train, parce que dans le train je monte mes vidéos YouTube. Je fais des choses. Donc c'est vraiment génial. Waouh, merci beaucoup Studio. Merci beaucoup à Pauline chez Studio. Vraiment merci infiniment. Donc voici pour le premier modèle qu'ils m'ont gentiment envoyé. Et ils m'ont envoyé un second. Le voici. Donc ici le nom c'était Tré. Je le disais tout à l'heure. Ici le nom c'est Niva. Probablement que je prononce mal. Parce que c'est suédois. Moi je sais pas comment on dit. Alors là on est sur autre chose là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Waouh. Donc ce sont des écouteurs sans rien du tout. Comme les earplugs, je sais plus comment ils s'appellent ceux d'Apple. Donc moi, je suis Apple for life. Toutes mes machines sont des Apple. Mais je refuse de payer 170 ou 180 euros pour les... Vous les avez vus là, les écouteurs Apple sans fil, sans rien du tout. J'en rêve, franchement. Et je pourrais les acheter. Mais le prix, je suis contre. Parce que je suis quasiment certaine que je vais les perdre à un moment donné. Et donc là, regarde, du down. Ce sont tout simplement... Ah ouais, donc là, c'est à partir d'ici, je pense que ça se charge. Parce que je vois des quelque chose en métal comme ça. Waouh. Là, c'est autre chose, là. Et donc ça va directement dans l'oreille. Est-ce qu'il y a le gauche et le droit ou pas du tout? Je sais pas. Left, celui-ci va à gauche. Il va à gauche. C'est super confortable. Vous les voyez ou pas? C'est formidable, j'aurais aimé le même en blanc, je sais qu'il existe en blanc. Didan. Et alors là pareil, l'emballage est extraordinaire. Le port USB, là encore le câble USB. Et comment est-ce que ça... Ah donc il faut alimenter ça. Non c'est pas ça, ah si, c'est ici. Didan. Et alors là qu'est-ce qu'on a d'autre? Pareil, le manuel d'utilisation et la carte, le certificat de garantie. Donc les filles, là, j'ai découvert en même temps que vous un produit extraordinaire et dont moi j'ai un usage certain. C'est bien, ça m'a moi-même fait un petit suspense. Donc le seul bémol, c'est que je ne sais pas ce qu'ils valent qualitativement, mais franchement, j'ai un bon a priori. Donc ce que je vais faire les filles, c'est que je vous propose de vous faire un retour sur ces produits. Vraiment, je vous ferai un retour sur ces produits. Mais, je le disais tout à l'heure, une bonne nouvelle ne venant jamais seule. Donc, ah là, c'est magnétique. C'est magnétique. Ah, ça s'allume en rouge, vous le voyez ou pas?
Je suis extrêmement emballée. Je ne connais pas du tout cette marque. S'il faut, c'est une marque mastodontesque et moi je ne sais pas parce que je ne suis pas au courant de tous les films. Moi, vous savez que tout ce qui est le domaine des geeks et compagnie, je ne suis pas du tout. C'est pas mon forté, on peut le dire, mais très confortablement, c'est pas du tout. Peut-être qu'ils sont super connus et que simplement moi je ne les connais pas. Mais ça a l'air formidable. Anti-sweat-proof, donc il résiste à la transpiration. Donc oui, j'entends mon latin. Pauline de chez Studio m'indique qu'elle a très envie de travailler avec moi sur le long terme. Je ne suis pas du tout rémunérée pour cette vidéo les filles, simplement j'ai reçu ces produits gratuitement. Elle vous offre, donc Pauline qui travaille pour cette société, vous offre 15% de réduction à valoir sur un achat. Je vous mets le code ici, au moment où je vous parle je ne connais pas ce code. Donc et si je ne suis pas en mesure de l'attacher au moment où je monte la vidéo, je l'attacherai en barre d'infos et sur le blog. Mais alors les filles, c'est peut-être bizarre. Je n'ai pas nécessairement fait les choses dans l'ordre parce que j'aurais dû les essayer à tout le monde avant de vous en parler. Mais les filles, ils sont garantis, hein, si jamais il y a un souci qui n'allait pas. Je vous en ferai une revue dans une vidéo qui n'a rien à voir. Dans une de mes futures vidéos, je vous en ferai une revue détaillée. Mais franchement, je suis super emballée. Le chargeur, il est crânant. Et alors, les écouteurs de fou. Moi c'est génial, j'aime bien découvrir des trucs comme ça. Et là pour le coup je le disais, j'en ai vraiment l'usage. Parce que moi je suis à la salle de sport quasiment tous les jours. Et j'avais, donc j'ai mes écouteurs qui sont pas les mêmes écouteurs que mon iPhone. Depuis qu'ils ont changé les trucs là, moi mon iPod il a des écouteurs classiques. Donc c'est tout un tralala à l'air, je les balance dans mon sac de sport. Quelquefois je tire dessus pour les autres. Là sans écouteurs c'est la liberté. Et aussi quelquefois je suis sur ma machine ou je suis sur mon truc et le fil me dérange. Donc j'essaie de le passer dans le soutif, de le passer derrière les oreilles, enfin, c'est tout un quelque chose. Là c'est la liberté, c'est pour ça, vraiment j'étais sur le point d'acheter les Beats wireless, sans fil. Mais alors là je suis vraiment enchantée, donc merci infiniment à Pauline, merci à la société Studio, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Merci infiniment et donc les filles je vous retrouve très très bientôt. Il me semble que Pauline dans son email mentionnait un concours ou un quelque chose. Donc je pense pouvoir vous dire avec assurance que je vous en reparle très 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 bientôt. J'en ai presque terminé avec cette très longue vidéo, les filles j'ai la caméra qui m'a... Et moi-même, je ne suis plus de toute première fraîcheur. Je vous le cache pas. Avant de vous quitter, je voudrais faire un dernier partage et un dernier clin d'œil à Corinne. Corinne, c'est une sista qui nous suit, qui est avec nous depuis très très longtemps, les filles. Je vous avais partagé sa société. Elle fabriquait à l'époque, et elle les fabrique toujours, et c'est vraiment un travail de très très bonne facture, de très très bonne qualité, des thés d'oreiller en soie. Vous vous en souvenez ou pas? La société s'appelle Silkin. Et vous savez, elle fait partie des toutes premières sociétés que j'ai encouragées. Moi, j'aime beaucoup encourager. Je me rends compte, les filles, que là, au niveau capillaire, on est sur une difficulté majeure. Vous la voyez? Donc, c'est pas grave. On va faire avec. Vous le savez, j'aime beaucoup encourager les sociétés dans lesquelles je crois. Et qui ne sont pas forcément des mastodontes. Voilà, j'ai une petite plateforme modeste. Si je peux en faire profiter mes sisters ou mes brothers, ou même des gens qui ne sont pas du tout ni des sisters ni des brothers, mais qui ont un beau projet dans lequel moi, je crois... C'est avec plaisir. À cause de ça, les filles, si vous saviez, je reçois des candidatures, entre guillemets, tout à fait exotiques, à tout le moins. Bref, mais de temps en temps, il y a vraiment quelque chose dans lequel je crois. Silkin, ma tête d'oreiller, c'est sur laquelle je dors tout le temps, c'est une Silkin, vraiment. Eh bien, figurez-vous que Corinne m'est revenue récemment, avec un petit mot adorable. Et alors figurez-vous qu'elle élargit sa gamme et qu'elle fabrique aussi également désormais des masques de sommeil, donc des sleeping masks, que j'adore. Donc là encore, 100% soie, c'est le principe de sa société, 100% soie, et alors il est sublime. Il est sublime, il est très difficile de trouver des sleeping masks qui soient pas girly, qui soient pas avec des yeux dessinés ou des que sais-je. Pour moi, celui-ci, il est parfait. Donc le côté visible est bleu marine et le côté contre les yeux est noir. Donc je le disais, 100% soie, avec une attache réglable, n'est-ce pas? Ah là là, ah je suis prête, je suis prête, je suis prête. Il est super, il est vraiment super, avec le petit pochon de rangement qui va bien. Donc les filles, vous l'avez compris, je pense, je passe beaucoup de temps dans les avions. Pas beaucoup, mais je passe quand même pas mal de temps dans les avions. Donc pour moi, ça c'est absolument extraordinaire. J'ai mon petit coussin qui va bien. J'ai un petit coussin, les filles, high-tech, je vous en parlerai un jour. Avec des petits granulés, il n'est pas gonflable ou dégonflable, mais il a une technologie plus. Il y a de la lavande, c'est des quelque chose. Il est formidable, ça c'est vraiment pour les vols long courrier, n'est-ce pas? Et ben voilà, maintenant j'ai un super masque de sommeil, je suis absolument ravie. La couleur est crânante. Vous avez vu le jaune et le bleu, comme ça, ça match. Donc voilà tout pour ce partage. Merci infiniment Corinne, j'espère que tu te portes bien, j'espère que ta société cartonne. Je t'envoie tous mes encouragements, merci beaucoup pour ce cadeau. Donc les filles et les garçons, voilà tout.
Je vous laisse ici avec une mèche approximative. Je vous embrasse très très fort. Vous me manquez beaucoup. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez vu, c'est dans des temps de plus en plus souvent. Donc, je vous embrasse très très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous avez apprécié. Moi, en tous les cas, les filles, c'est une renaissance, c'est une nouvelle jeunesse. Je prends un plaisir fou. Lorsque je viens ici vous partager des astuces, des produits, des quelque chose, vous retrouvez tout simplement. Donc, j'espère que le bonheur est partagé. Je vous embrasse très très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite. Bye!